Bonjour les cousettes, j'espère que vous passez un bon dimanche après-midi. Je vous ai prévu cette petite vidéo pour préparer au mieux le live couture qui démarre bientôt, qui démarre vendredi prochain de 18h à 19h. Ça c'est le premier créneau et du coup vous avez des petites préparations si vous voulez participer à ce live couture qui, je rappelle, est totalement gratuit depuis ma page Facebook. Voilà, donc on a décidé ensemble de faire un live couture pour passer le temps pendant le couvre-feu et puis se retrouver un peu, hein, chacune sous sa machine. Et donc du coup, nous allons coudre ceci, c'est la trousse Candy. Voilà, c'est un de mes premiers patrons. Alors excusez-moi, elle n'est pas d'une première fraîcheur parce qu'elle s'est promenée sur pas mal de salons. Mais voilà, le principe du modèle, hein, c'est une trousse donc qui est bimatière. Alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Là, c'était un tissu pailleté. Mais on ne va pas forcément prendre ces matières-là, vous allez voir. La spécificité du modèle, c'est qu'il y a ici une pose de passepoil. Et vous l'aurez remarqué, la fermeture éclair est posée en arrondi. Voilà un petit peu pour la présentation. Moi, j'avais utilisé une fermeture un peu, voilà, un peu sympa, lurex, tout ça, mais on va utiliser pour l'atelier une fermeture plus classique. Mais je voulais vous la montrer. Et donc, c'est une trousse qui est doublée. Normalement, elle a plein de poches. J'avais rembourré en brocastienne un peu. Mais nous, on va juste faire la version plus simple, doublée à l'intérieur sans les poches. Parce que l'intérêt, c'est que ça tienne quand même en trois sessions couture qu'on va réaliser ensemble sur runner à chaque fois. Donc voici pour la présentation du projet. Et vous avez remarqué ici, il y a un appliqué réalisé à la machine à coudre. Là, c'était une étoile dans du Liberty. Et donc, suite à nos différents échanges sur les réseaux, j'ai décidé de vous proposer cet appliqué en fin de live. Comme ça, vous pourrez regarder le replay si vous n'avez pas eu le temps de le réaliser. Alors, pour participer à cet atelier, c'est bien simple. Il suffit de suivre ma page et de vérifier que vous y êtes abonné. A priori, si vous voyez cette vidéo, c'est que c'est bon. Mais ensuite, il va falloir aussi aller récupérer le patron avant la première session. Le patron, il est ici, bon, vous êtes à l'envers, hein, qui a imprimé en taille réelle. Donc, je vais vous expliquer comment le récupérer. Et pour celles qui n'ont pas d'imprimante ou plus de papier, plus d'encre, rassurez-vous, à la fin, vous avez la fiche indicative de la taille des pièces. Donc, d'ici vendredi, vous aurez le temps de les tracer. Donc, comment ça se passe concrètement? Sur cette vidéo, au-dessus, vous avez un post. Dessus, je vais vous mettre où récupérer le patron si ce n'est pas déjà fait. Il suffira de cliquer et de vous laisser guider. Quand vous allez arriver sur mon site, via le lien qui est dans cette publication, vous allez commander le patron de l'atelier live de la trousse Candy, qui est gratuit. Et vous allez ensuite vous rendre sur votre espace client. Et dans Téléchargement, vous allez télécharger le premier fichier qui vous permettra de récupérer ce PDF-ci. Alors, j'ai choisi pour cet atelier couture de découper la phase d'assemblage en plusieurs fichiers pour vous permettre au fur et à mesure de l'avancement d'aller récupérer ensuite les explications écrites en plus du live et du replay qui seront disponibles. Donc la première partie, c'est celle-ci. Les autres ne sont pas encore disponibles. C'est normal, rassurez-vous, tout va bien. Donc à la fin de ce document, vous trouverez donc le patron en taille réelle à imprimer. Vous n'êtes pas obligé d'imprimer ce document, hein. Je l'ai imprimé pour vous le montrer. Voilà, et vous aurez toutes les informations et tous les gabarits qu'il faudra bien entendu découper pour vendredi prochain. D'accord? Donc au début de live, il faudra que vous ayez vos gabarits découpés. Donc détourez chaque pièce. Et pour la découpe du tissu, rassurez-vous, on le fera ensemble. Donc pas de panique pour celles qui ne sont pas habituées. Et vous aurez en plus le replay pour revoir tout ça. Donc ce document, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc je vous explique ce qu'il faudra, hein. Imprimer le patron, je viens de vous le dire. Vérifiez que vous êtes abonné à ma page Les Tutos Couture de Dodinette. Pour cela, rendez-vous sur ma page. Si vous ne voyez pas en haut le bouton s'abonner, c'est que vous y êtes abonné. Sinon, cliquez juste sur s'abonner et vous aurez la notification quand je démarre le direct pour suivre l'atelier couture vous aussi. Alors, j'ai préparé plusieurs lives différents. Donc, vous avez le programme. Hein. Je vous fais une petite synthèse parce que je trouve qu'en vidéo, c'est plus sympa. Donc, le premier, c'est le 5 février de 18h à 19h. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce premier live? On va faire les découpes de tissus à partir des fournitures que vous allez devoir préparer à l'avance. Rassurez-vous, dès que j'ai fini de vous expliquer un peu tout le doc, je vais vous montrer les fournitures et je vais vous donner des conseils pour préparer votre matériel et ne pas courir dans tous les sens. Mince, j'ai oublié mon découvite dans un coin de l'atelier. Être sûr que vous avez tout de dispo. Vous pourrez coudre tranquillement avec la tablette en écoutant les informations et en regardant, parce que je vais coudre en même temps que vous. Et vous pourrez aussi poser vos questions, bien sûr.
Et je vais avoir mon mari qui sera à côté et qui me lira les questions au fur et à mesure. Je ne vais pas pouvoir regarder l'écran, mais je vous répondrai parce que pour l'instant, vous êtes pratiquement 5 000 à suivre. Donc si vous êtes 5 000 à poser des questions, ça va être compliqué pour moi de coudre en même temps. Mais voilà, je répondrai aussi aux questions, rassurez-vous. Donc le premier live couture vendredi. Donc on va faire les découpes ensemble. On va entoiler nos tissus pour ceux et celles qui ne savent pas encore le faire. Et si on a un petit peu de temps, parce que c'est 1 heure, hein, 1 heure ça peut passer très vite, on démarre ensemble la technique de l'appliqué pour coudre cet appliqué en étoile et je vous montrerai comment faire. Ensuite, une fois le live terminé, vous aurez le replay disponible pour celles qui n'étaient pas là, pas dispo, ou celles qui ont besoin d'un peu plus de temps parce que voilà, vous avez une panne technique, la canette vide, enfin quoi que ce soit, une pause vous avez besoin de prendre, vous pourrez en suivant le replay rattraper tout ce qu'on aura fait. La deuxième session de live, elle démarre le vendredi, pardon, le samedi 6, donc toujours 18h-19h au début du couvre-feu. Et là, alors là, on va travailler sur les premiers assemblages des pièces de notre trousse. Donc on va poser le passepoil ensemble et on assemblera le haut et le bas de trousse extérieur de chaque côté ensemble. Et si on a fini, on commencera à préparer les pièces pour poser la fermeture éclair en fonction de comment on avance. À la fin de ce live, toujours même chose le replay, et ensuite vous pourrez vous rendre sur votre compte client, récupérer comme là le PDF qui expliquera avec des photos tout ce qu'on a fait ensemble. Donc pas de panique, vous aurez quand même plusieurs supports pour suivre. Et en cas de question, le groupe d'entraide bien sûr est là pour vous aider. Son petit nom, c'est les Cousettes d'Osinette Addict, n'hésitez pas à le rejoindre. Ensuite, dimanche 7 février. Alors, le plus technique commence, le plus technique entre guillemets pour celles qui ne savent pas encore poser de fermeture éclair. Donc, on posera la fermeture éclair et on travaillera aussi sur la doublure pour apprendre à passer la fermeture éclair entre la doublure et la partie extérieure. Et ensuite, on fera l'assemblage final de notre trousse si le temps imparti le permet. Si jamais on n'a pas fini, rassurez-vous encore une fois. On rajoutera sûrement une petite session couture le lundi. C'était important pour moi d'être placée plutôt sur le week-end pour permettre à celles qui travaillent en semaine ou qui sont jamais disponibles quand je fais des lives, parce que c'est souvent en semaine quand mes enfants ne sont pas là, de pouvoir suivre l'atelier. Mais rassurez-vous, si on n'a pas fini, je ferai une session supplémentaire et si vous n'êtes pas disponible, il y aura le replay dans tous les cas. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Alors, pour les détails techniques, le niveau de cette trousse. Et intermédiaire. Pourquoi? Niveau de couture intermédiaire, parce qu'on va poser une fermeture éclair. Ça, vous êtes obligé de la poser, sinon la trousse, ce ne sera pas une trousse, hein, qu'on soit d'accord. Si vous n'en avez jamais posé, tant que vous savez coudre au point droit, vous pouvez suivre ce live, quitte à faire des pauses et faire du replay, je pense quand même que c'est possible. Le deuxième point technique, c'est la pose du passepoil, mais vous n'êtes pas obligé de le poser si vous ne le sentez pas. Vous pouvez aussi tenter sur un côté, pas l'autre, je vous expliquerai comment. Et il y a aussi l'appliqué qui est d'un niveau un petit peu voilà, supérieur parce qu'en plus il est en étoile donc pas évident. Mais ça c'est en option, vous n'êtes pas obligé de le réaliser. Les marges de couture par rapport à mon patron, je cherche mes gabarits, voici les gabarits du patron. Les marges de couture, elles sont de 1 cm et elles sont déjà comprises dans les pièces donc vous n'avez pas besoin de les rajouter quand on fera les découpes. On verra ça ensemble. Voilà. Alors, au niveau des tissus à utiliser, il faut l'adapter en fonction de votre niveau. Dans le document, vous allez voir, vous avez un petit tableau là qui vous indique qu'est-ce qui est possible de faire. Donc là, c'est à l'envers, bien entendu. Mais en fait, j'ai découpé le modèle en 2 parties. Donc il y a le tissu de haute trousse qui se trouve ici. Et la doublure intérieure. Donc là, c'était du Liberty. Donc c'était une popeline vraiment fine. Moi, j'ai choisi d'utiliser le même tissu pour l'extérieur et la doublure pour le haut de trousse, où je vais vous montrer mes coloris ensuite. Je n'ai pas repris de Liberty. Mais voilà, donc vous avez le haut de trousse et la doublure. Pour ces parties-là, je vous conseille quand même de prendre des tissus faciles à coudre, pas trop épais. Donc un coton classique imprimé sera parfait. Après, si vous avez envie de changer, eh ben, reportez-vous au tableau du document pour choisir vos tissus. Et je vous donne des petits conseils. Enfin voilà, je vous dis ce que j'en pense si vous avez envie de vous lancer dans votre tissu qui attend sur le bord d'une étagère. C'est aussi possible de se lancer. Ensuite, vous avez le bas de trousse. Donc ce bas de trousse-là, il faut qu'il ait quand même un certain maintien, hein, sinon notre trousse, elle va être toute molle. Et du coup, là, ça c'était un tissu pailleté
vous voyez, qui était très rigide. Mais moi, je vais choisir d'essayer un tissu d'ameublement. J'ai vu que certaines en utilisaient aussi, donc pourquoi pas. Et ici, vous allez voir dans le bas de trousse, il y a quand même plus de possibilités, hein. Il y a plus de oui. Voilà, donc en fonction de ce que vous voulez. Si vous êtes à l'aise avec les épaisseurs du simili-cuir, il ira très bien. Mais vous pouvez aussi prendre du jean, un coton d'ameublement, du tissu enduit. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà. Donc pour réduire les étapes, je vous conseille quand même un tissu qui se tient en bas et un coton en haut. Comme ça, on n'entoilera que le haut de trousse et on gagnera aussi du temps, quitte à refaire d'autres trousses par la suite. Voilà. Alors, maintenant au niveau des fournitures. Donc, je vous conseille quand même de commencer à prévoir vos fournitures pour ne pas au dernier moment courir partout. Mince, elle avait du dupesse poil, j'ai oublié. Voilà, donc au niveau des fournitures, tout est indiqué dans le document. Encore une fois, rassurez-vous, si vous n'avez pas préparé, vous avez encore un peu de temps. Alors, bien sûr, si je ferme ma page, je ne pourrais pas vous dire exactement les métrages parce que je les ai recalculés comme on fait une trousse plus facile. Pour celles qui avaient déjà le patron Candy, oui, ça c'est important, ou qui ont commandé un kit, sachez que vous aurez trop de tissu parce qu'on ne fait pas les poches intérieures pour gagner du temps, comme c'était un premier live couture et que je ne sais pas trop comment ça va se passer. Alors, il va vous falloir donc un tissu, hop, un coton imprimé pour le haut de trousse et la doublure. Donc, moi j'ai choisi celui-ci, vous voyez, c'est un coton classique. Voilà, bon, là j'en ai trop, hein, qu'on soit d'accord. Et il va vous falloir 26 cm en hauteur, d'accord, dans le droit fil, et en longueur 92 cm. Alors là, bon, j'ai bien plus que ça, pardon. Mais voilà. Après, vous pouvez aussi, vous allez voir comment on va faire des petites découpes, partir dans plusieurs chutes et avoir un tissu extérieur, un tissu intérieur, c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà. Donc avec ce tissu-là, moi j'ai opté pour un tissu d'ameublement. Voilà, qui est rose pailleté. Hein. On va rester dans les paillettes, pour égayer un petit peu ce temps gris, en tout cas, je sais pas chez vous, mais ici, il fait pas très très beau. Donc, il se tient pas super, pas comme la trousse que j'ai déjà réalisée, mais j'avais envie d'un effet un peu fluide, donc voilà. Donc, vous pouvez utiliser, comme on disait tout à l'heure, différentes matières. Et donc, le tissu de bas de trousse, il doit faire 19 de hauteur, ici, par 54 cm. Voilà. Si vous êtes d'un niveau débutant, vous pouvez aussi utiliser du coton pour ce bas de trousse, il n'y a pas de souci. Par contre, il va vous falloir vous prévoir un peu d'entoilage parce que si vous prenez un coton classique, ça va vraiment être trop fluide et la trousse n'aura aucun maintien. Il va vous falloir aussi une fermeture éclair non séparable de 20 cm. Donc non séparable, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous voyez, ça c'est une fermeture de 20. Oui, de 20 cm. Moi, je vous conseille de prendre une fermeture en nylon, parce que ce sera plus facile à coudre. Donc non séparable veut dire qu'ici, je ne peux pas séparer ma fermeture en deux. Elles restent toujours attachées ensemble. Et 20 cm, si vous n'avez pas le petit papier qui va bien, si vous voulez vérifier, en fait, vous prenez une règle et vous mesurez entre le curseur de début et le curseur de fin. Il faut que vous ayez 20 cm à cet endroit-là. Et ce sera la bonne taille de fermeture. Il vous faut aussi du passepoil, donc 48 cm, si vous voulez en poser, ce n'est pas obligatoire. Donc moi j'ai choisi un passepoil comme ça, violine. Je trouvais qu'il allait bien avec mes tissus. Voilà. Il vous faudra aussi, hop, du fil à coudre. Et je vous conseille de préparer votre canette d'avance. Parce que si on commence à coudre et que chacune fait sa canette, on va perdre beaucoup de temps. Donc préparez-vous une canette, qu'elle soit prête. Et vérifiez aussi que le fil choisi. Donc ça, c'est du fil Made in France que j'ai trouvé chez Tissus des Ursules. Que le fil choisi aille avec vos tissus, par exemple. Celui-ci, là, ça va. Mais si je viens faire une surpiqûre sur celui-ci, il risque de beaucoup se voir. Donc peut-être que finalement, je vais partir plutôt sur du rose qui va moins se voir si je ne suis pas trop droite ici. Et ici, bon, ça peut aller. Voilà. Donc prenez votre temps pour bien choisir votre fil et préparez-vous une canette. À la première session de live, on va pas coudre grand-chose, on va surtout découper. Donc, vous avez un peu de temps, mais préparez quand même. On ne sait jamais si on accélère un peu et qu'on est rapide. Il va vous falloir aussi un entoilage thermocollant. Hop. Donc là, ici, c'est de la H250, si vous voyez. Et donc, elle a un côté avec de la colle qui brille. Donc, c'est ça que je vais venir coller au dos du coton.
pour que mon tissu ait du maintien. Donc, il vous en faut pas beaucoup parce qu'on va entoiler que le haut de trousse, sauf encore une fois si vous utilisez du coton pour le bas de trousse. À ce moment-là, il faudra en prévoir un peu plus. Donc, moi, j'ai indiqué qu'il fallait 10 en hauteur par 53 cm. Et pour celles qui veulent réaliser l'appliqué, il va vous falloir ceci. Donc là, j'ai découpé un petit bout. Alors, je ne sais jamais, jamais prononcer le nom de cette chose. Donc, j'ai mis thermocollant double face, mais je crois que ça s'appelle Visioflix. Vous en trouverez en mercerie. Et le principe, en fait, c'est, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, c'est en fait, c'est une couche de colle qui a été pulvérisée sur du papier, ce qui va permettre de venir coller sur le tissu, retirer le papier et avoir de la colle, et ensuite recoller une seconde fois pour pouvoir coudre notre étoile, mais ça on le verra ensemble. En tout cas, pour l'appliqué qui est là, je vous conseille de choisir du coton. Vous pouvez aussi faire un appliqué en simili-cuir, mais là du coup, on va déborder de l'atelier, mais voilà, je pense que c'est mieux du coton. Si vous utilisez du simili-cuir, je vous expliquerai peut-être en fin de live, je vais essayer de me faire une étoile d'avance pour vous expliquer la technique, mais on n'aura peut-être pas le temps de tout voir. Voilà ce qui est des fournitures et maintenant du matériel. Ça aussi, c'est important. Et ensuite, je vous laisse tout préparer pour vendredi. Alors, pour le matériel, vous vous en doutez, il va vous falloir une machine à coudre. Donc, moi, elle est là. J'ai choisi de travailler sur Rubina pour vous la présenter parce que je vous en parle depuis un moment. C'est une machine de chez Veritas. Voilà. Donc, vous prenez votre machine, bien sûr, habituelle. Hein. Hop. Comme je disais tout à l'heure, vous préparez votre canette, c'est important. Hop. Alors, au niveau du matériel, vous allez avoir besoin aussi d'un fer à repasser. Bon, ça, c'est un petit mini fer de chez Prime. Mais voilà, votre fer à repasser habituel avec la planche à portée de main. Vous n'avez pas besoin de tout débarrasser dans votre atelier parce qu'on va l'utiliser pour entoiler et puis aussi pour l'appliquer si vous voulez le réaliser. Donc, ça, c'est la première session. Voilà. Il va vous falloir aussi une règle pour mesurer, parce qu'il y aura peut-être des choses à mesurer. On verra ensemble. Donc ça, c'est un petit réglet de chez Décocuir que j'aime bien. Au niveau des découpes, plusieurs choses. Donc, des ciseaux pour découper le tissu. Donc, je ne vous présente plus mes ciseaux chouchou Fiskars. Hein. Il va vous falloir, si vous en avez, si vous n'en avez pas, on fera sans. Il sort peu de plein de poussière. Hop. Des ciseaux crampeurs. D'accord? Donc, le principe, c'est qu'il y a des crans pour cranter. Si vous n'en avez pas, non, mais si ce n'est pas exprès pour l'atelier, on verra comment faire sans. Et si vous avez à portée de main un coupe-fil pour couper rapidement les petites files qui dépassent, mais vous pouvez aussi vous servir de ceci. Ce sera moins facile, mais c'est possible. Donc, ça aussi, c'est Fiskars. Hop! Je ne veux pas vous porter la poisse, mais il est possible. Il ne faut jamais dire jamais que vous ayez besoin du découvite. Je ne vous le souhaite pas. En tout cas, moi, j'aurai le mien à portée de main. Et j'espère ne pas trop rater ma créa. Voilà, mais préparez-le, on ne sait jamais. Vous allez avoir besoin aussi de pinces. Voilà, pour pincer, enfin pincer, épingler ensemble les tissus, mais voilà, pour les tenir. Et si vous n'avez pas envie d'utiliser des pinces, hop, voilà, vous pouvez aussi utiliser des épingles. C'est possible, c'est juste que pour la fermeture éclair, ce sera peut-être moins pratique de la placer. Mais si vous préférez utiliser des épingles, donc celles-ci, elles proviennent de chez Bohain, vous les aurez reconnues avec les perles de verre en haut. C'est possible. En fait, le but, c'est d'utiliser votre matériel habituel, tout ce qui vous sert et avec lequel vous êtes à l'aise. C'est pas le moment de tester des nouvelles choses. Si vous n'êtes pas habitué aux pinces, partez sur les épingles et ça ira très bien. Un petit dernier point sur les pieds que nous allons utiliser, les pieds presseurs. Donc vous avez celui-ci qui est le pied classique, vous le connaissez. Voilà, donc celui de votre machine. Vous allez également avoir besoin du pied post-fermeture éclair, donc c'est celui-ci. Normalement, vous l'avez aussi avec votre machine. Et on va aussi s'en servir pour poser le passepoil, on verra ensemble. Si vous avez un pied post-passepoil, préparez-le, c'est toujours plus agréable de poser le passepoil avec, mais avec celui-ci ça se passe très bien. Et pour l'appliquer, c'était là que je voulais vous montrer une petite astuce. Si vous avez un pied post-appliqué, celui-ci, donc ça c'est celui de Veritas, donc au milieu vous voyez il a une barre. Je sais pas si vous voyez en transparence, vous voyez il n'est pas totalement creux au milieu, il y a une barre parce qu'il permet aussi de faire de la broderie. Mais voilà, le principe du pied post-appliqué, souvent il est transparent, mais il y en a aussi en métal, donc regardez avec votre machine si vous l'avez. Et sinon, il est souvent en forme de U comme ça.
Donc même s'il est en métal, tant que vous voyez au milieu, c'est un pied pour poser les appliqués. Vous allez voir parce qu'il va falloir qu'on soit hyper minutieux et précis sur où on va coudre. C'est pour ça que je vous propose un replay plutôt en fin de live parce qu'il va falloir venir chevaucher de chaque côté. Et quand le pied, vous voyez, est transparent, c'est quand même plus facile de voir où on va qu'avec un pied plein. Bon, celui-ci, il est quand même un peu transparent, mais il est un peu moins pratique parce que vous voyez ici, au niveau de l'aiguille, je ne vois pas forcément pile poil où je tape. Voilà. Bah, j'espère n'avoir rien oublié. En tout cas, moi, je me ravis de passer ce moment avec vous. Un gros premier live, hein. J'ai déjà fait des petits lives d'une heure, mais voilà, là, ça va être un gros projet qu'on va monter ensemble, donc je suis vraiment très contente. Surtout, si vous n'avez pas le patron, vous avez jusqu'à vendredi pour aller le chercher. Donc n'affluez pas à fond, à 5000 sur le site, parce que forcément, il va avoir du mal à, voilà, hein, à tenir le choc. Allez-y tranquillement, si vous ne l'avez pas récupéré, sachez qu'il est toujours gratuit jusqu'à vendredi, jusqu'au début du live, et peut-être que je le laisserai un petit peu après la première session de replay pour celles qui n'avaient pas anticipé et qui nous rejoignent en cours de route. Voilà. Si vous ne voulez rien louper des actualités du live couture ou si vous arrivez en cours de live, en cours de session, sur Facebook, vous avez toujours une notification quand je démarre le live, mais après, quand il est en route, je ne sais pas si vous allez pouvoir le trouver facilement. Donc, je vous propose de nous rejoindre sur l'événement. L'événement, ça s'appelle Live Couture spécial couvre-feu, cousons ensemble la trousse Candy. Vous cliquez juste sur « Je participe » ou « Ça m'intéresse ». Et sur cette page, si vous arrivez en cours voilà, de session, je repartagerai tout le temps en instantané le live en cours. Donc vous pouvez nous rejoindre, revoir les replays, je partagerai. Si vous avez des questions à poser, couture, vous pouvez les poser dessus, hein. Vous êtes maintenant 5000 dessus, donc vous pouvez vous répondre, vous entraider, tout ça, tout ça. Voilà, pour ne rien louper, n'hésitez pas à rejoindre l'événement. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi, préparez bien vos affaires et je vous dis avec grand grand plaisir à vendredi 18h. En attendant, comme j'ai un peu la pression, je vais quand même m'entraîner hein, pour pas faire trop de bêtises. Allez, je vous embrasse les cousettes, à bientôt.